Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue en mode lundi après-midi pour ce JT du Geek. Ah, Aujourd'hui, allez, on va vendre du rêve un peu, de temps en temps, ça fait du bien. Même si bon, on verra qu'à chaque fois, on vend du rêve. Dougie nous a proposé déjà dernièrement une vidéo où il proposait un package de son d'un téléphone avec un gamepad. Alors, le téléphone en lui-même, bon, il n'est pas oufissime, c'est un S70 d'après eux. Un écran 5,99 pouces en 18 9 avec un processeur Helio P23, de la RAM, de la ROM, plus de la micro SD. Le gros intérêt, encore une fois, de ce téléphone-là, ça va être sa batterie de 5500 mAh. Ça, c'est pas mal. Le Helio P23, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais ça peut suffire à faire le taf. voyez, oui, la vidéo, elle fait que ça. <laughs> eh, je sais, ça fait drôle, hein, mais euh, la vidéo s'arrête à la moitié. Donc, je vous mets celle-là. Voilà. Donc, bon, le téléphone et le téléphone est IP68 et NFC. Donc, voilà, c'est pas mal. Et avec ça, avec ce petit téléphone, qui qui bon, a un design un peu gaming on est d'accord, ils ont dit tiens dans cette série S on va vous proposer un, un gamepad ils ont appelé le gamepad G1 dont la vidéo est tombée aujourd'hui, donc ça permet d'avoir un vraiment un complément par rapport bah, à ce qu'on avait vu avant, surtout au niveau du gamepad. Parce Que bon, le téléphone il est déjà en vente sur AliExpress, on a déjà un prix euh, machin, donc euh, à voir le gamepad. Il se alors du coup, il est un peu bizarre. Moi j'aurais été bien de mettre alors il y a le, le curseur à gauche, mais il n'y a rien à droite, pas de bouton machin et tout. Alors je suis pas gamer sur smartphone, vous me direz si c'est une bonne solution ou pas, mais du coup, en fait, on a vraiment la molette monter-descendre et les boutons sur la gauche. Et bah à droite, rien. Il faudra vraiment jouer un petit peu avec votre écran tactile. Bien évidemment. Donc, ça peut être un intérêt ou un inconvénient. Vous me direz en commentaire. Je ne suis pas assez gamer pour vous le dire. Je trouve que le pack est quand même plutôt intéressant. On a déjà vu des marques comme ça qui avaient bien compris que le smartphone, ce n'était pas pour eux. Alors loin de moi, l'idée de dire que Doogie... Doit arrêter, doit arrêter les smartphones mais on avait vu là, ça avec la marque numéro 1 qui a bien compris au bon moment que les smartphones c'était pas son truc valait ben, mieux qu'elle fasse des mondes connectés et tout compte fait elle le fait très bien pas mal là doogie dit tiens on va élargir un peu notre gamme en proposant un téléphone le S70 avec un joli site qui a des animations hein. donc on prend bien la fonction webcam la fonction IP68 5,99 pouces en Full HD un octa-core Helio P23 bon pas mal euh, 6 Go plus 64 plus micro SD c'est pas mal euh, deux caméras arrière, alors caméra arrière c'est du 12 plus 5 Xiaomi nous aura prouvé qu'avec 12 plus 5 on peut faire de la bombasse avec un bon traitement logiciel derrière bien évidemment euh, Dual focus c'est pas mal, pas mal de couleurs, un appareil photo avant 15 millions de pixels, ça me paraît beaucoup j'ai vu marqué 8 moi hein, euh, sur la fiche la batterie 5500 mAh, c'est pas mal, la charge rapide moi j'ai marqué 12 volts 2 ah c'est 24 watts. Ouais donc c'est bon, c'est 12 volts, 2A. Donc on est bien à 24 watts. Euh, ouais, le char ah charge en fil, tiens, ce qu'on ne voit pas sur l'autre. Alors peut-être c'est pas la même version qu'on trouve sur Internet. Parce que sur Internet on ne trouve qu'une version light. Qui est la même. Donc je ne vois pas en quoi elle serait plus light que, que celle-là. Donc du coup vous allez pouvoir bah, jouer. Alors elle est compatible avec les gants. Si tu veux jouer avec tes gants dans la piscine en mode... <laughs> avec un mode combinaison et dans la piscine pour jouer un peu. Euh, bon bah après voilà un peu pour le détail du téléphone. Bon le téléphone il est pas... Il n'est pas ouf encore une fois. Hein. Si on cherche un peu sur euh, AliExpress, parce que du coup, il n'y a que eux qui le vendent un petit peu en direct. On en trouve un qu'ils appellent E70 Light. Alors est-ce qu'il est light parce qu'il n'est pas vendu avec la manette ou est-ce qu'il est qu là parce qu'il y aura vraiment deux versions Mais j'y crois pas parce que du coup, quand on regarde la configuration, il est bien... Ah, il est en 4 plus 64 alors qu'il nous avait vendu combien sur l'autre, il nous avait vendu 6. Attends, 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 attends. C'était un peu, un peu le bordel, attends, bouge pas. D'accord, ouais là c'était du 6 alors que là-bas c'est du 4. Donc peut-être qu'il y aurait une version 4 plus 64 et une autre version 6 plus 110 Mais souvent on se rend compte, enfin pour bien connaître Doogie si vous allez sur la chaîne YouTube de Doogie, vous allez dans les vieilles, vieilles, vieilles vidéos, vous cliquez celle où il y a. Normalement, il y avait anglais, espagnol, français. Français, c'est moi qui les faisais. <laughs> donc euh, voilà donc vous allez voir euh, il se peut que la fiche soit un peu emballée et qu'en version finale on n'ait vraiment que la version 4 plus 64 plus micro SD Android 8 on a bien le Helio P23 on a bien la batterie on a bien le NFC enfin on retrouve bien tout ce qu'ils avaient vendu sur leur site sauf que celui-là il est peut-être un peu moins spécifique il fait que 4Go de RAM au lieu de 6 mais dans le reste il n'est pas plus light qu'un autre donc du coup ça, ça, ça ressemble plus à cette version-là qui pourrait être commercialisée IP68 4 64 batterie 5500 599 donc je pense plus que ce soit celui-là après, celui-là, il n'a pas les bordures rouges. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, bah oui, il existe aussi avec les versions bordures rouges. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, bah, sur les deux sites, autant si on prend le Doogie Store, ça c'est quoi C'est le Doogie Retail Store. Et ça, je mettrai le lien dans la description hein, si vous voulez directement cliquer pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Euh, et là, c'est directement le Doogie Store. Voilà, donc le Doogie officiel. Le téléphone, bon, en lui-même, il n'est pas ouf. Même si est un peu comme comme vous avez fait Chui, même si les contours rouges et tout pourraient vous donner que non, c'est un p 23 au niveau du GPU. Bon bah ça fera le taf, mais ça sera pas euh, ce qu'on ce qu'on fait de mieux. On est bien d'accord. Bon, il est Bluetooth, il est Wi-Fi, il est NFC, il a une bonne batterie, il est pas mal et avec le Gamepad ça pourra vraiment faire. Alors pour l'instant il n'y a pas d'offre promotionnelle. Hein. Quand on clique sur euh, Acheter. Euh, ici, tu vois, bah, il va t'envoyer sur là et du coup, tu vas vouloir. Ah, hein, il faut vous précommander. Apparemment, il y avait un Indiegogo derrière tout ça, donc du coup, ils vont euh, se calfotrer un peu là-dedans en disant Ah, donne-moi ton adresse email et puis euh, on t'écrit. <laughs> on t'écrit quand c'est possible. Voilà, donc bon, au-delà qu'on on sera bien d'accord que c'est pas une config qui est incroyable, je pense pas que là soit le but, on va dire que le, le, le pack est assez intéressant qu'un fabricant sorte dire un gamepad comme ça, ça vaut 20 euros. Donc, sorte un téléphone qui vaut peut-être 200 dollars, donc ça fait 186 euros. Si pouvez-vous le vendre avec le gamepad ouais, un pack à 200 euros par exemple. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a un pack à 200 euros, on a quand même un bon petit téléphone sympa, IP68, assez robuste, une bonne batterie, qui est assez puissant, mais qui est pas dingo, on est d'accord, qui permettra de jouer longtemps, surtout avec sa grosse batterie et son bel écran. Et un petit gamepad qui pourrait vraiment apporter un petit confort. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez un petit peu de ce pack en commentaire, comme toujours. Avec les trois r le cher, par exemple sur les vidéos sur les réseaux sociaux, les gens que ça intéresse, le R de commentaire, en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce pack. Est-ce que non <laughs> Non, tu fais des jeux, tu sais bien que c'est de la merde, voilà, parce qu'il faut absolument mieux, ou en fait, bah pour 200 euros, ça pourrait faire la blague, mais pas plus, 200, 250 euros maximum. Toi, vous pouvez estimer un petit peu une fourchette de prix comme ça, on verra, dès qu'il y aura un peu plus de news comme ça, on pourra avancer un peu sur le dossier. Et en face, fait, si tu aimes la vidéo, tu mets un pouce en l'air, Tu pas aimé la vidéo, bien évidemment, tu mets un pouce en bas, je vous rappelle, vous pouvez communiquer directement avec moi sur Tipeee soit dans l'espace commentaire et dans ce cas c'est ouvert à tout le monde et les réponses que je donne servent à tout le monde soit directement en privé en cliquant sur l'onglet contact en haut et là en fait c'est tout bien rangé sur Tipeee comme ça je peux répondre un petit peu à chacun voilà vous me direz ce que vous avez pensé de ça moi j'ai pas trouvé les vidéos incroyables on est bien d'accord mais bon elles ont au moins le mérite d'exister 68 imagine si la manette elle est aussi p 68 je vois pas du tout l'intérêt mais parce qu'il faudrait bien parce que le téléphone alors après pourquoi comment bien gaming pas gaming la manette intéressant de mettre que gamepad et pas mettre les boutons moi je suis encore de la génération où j'aime bien avoir les boutons à droite pour pouvoir appuyer ce truc, le frein, le machin. Je crois pas que l'écran c'est super pratique, mais en, fait, en même temps, je ne suis pas gros gros gamer et à mon avis, vous allez peut-être m'en apprendre plus que je n'en sais déjà et je me coucherai moins con. Ça sera toujours ça de prix. Voilà, Paix et Prospérité, normalement, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce soir à 16h pour un GLG par en live en mode à quotidienne. J'ai pris plein de notes, hein. on a eu des petits contacts là encore cet après-midi. Il euh... va falloir que je vous explique un peu tout ça. C'est un peu le but du jeu. Paix et Prospérité, bonne journée. Allez, profitez bien, il va faire beau aujourd'hui, il paraît. Non, enfin chez nous il pleut, mais bon c'est pas grave. Allez, bye bye.